2 Corinthians, 2 Corinthians chapter 9, 2 Corinthians chapter 9, we're going to read from verse 5 to 8. We're going to see, and then we're going to go back and forth, see what happens. Sujet nous outillasse, c'est still giving for all its worth. Le don selon le modèle de la semence. 2 Corinthians chapter 9, verses 5 à 8. 2 Corinthians chapter 5, chapter 9, or pardon, from verse 5 all the way to verse 8. Therefore, I thought it necessary to exhort the brethren that they would go before unto you and make up beforehand your bounty, whereof you have noticed before, that the same might be ready, as a matter of bounty and not as of covetousness. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposed in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, but for God, love is cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may abound to every good work. The word of the Lord. J'ai jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. La parole du Seigneur. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur de prêcher aujourd'hui sur ce qu'on appelle la semence, le don de semence, seed giving, le don de la foi. Giving by faith. I'm sure most of you here have heard about the notion of seed giving. En pile dans nous, on est parlé de faire aux semences. Let me start by saying it is a very, very interesting concept. It's a biblical one, by the way, worth to really understand very well. Devant la peine, bien-aimés dans le Seigneur, laissez chrétiens sur les courriers pour chercher bien à pénétrer ce concept, à comprendre ce concept à juste titre. Donner dans le style de la semence. Seed giving. That's what I will explore this morning. I will explore this important teaching, hoping that we will shed some light for all of our worshipers, whatever they might be. Quelque endroit vous capabliez sur planète là, même qu'il a en chair, en os avec nous, même qu'il souligne notre capabloïe avec nous, nous allons jeter un petit peu de lumière sur ce concept de dessin des Écritures. Première chose, c'est que nous allons réaliser que ce passage est étroitement lié. It is closely tied to chapter 8. Pas capable courir vite, essayer de comprendre ce qui a passé dans chapitre 9, sont pas liés au préalable ce qui se passe au chapitre 8. En d'autres termes, par exemple, là, il y a parlé de semence ici. L'homme du carrément sur l'état lié, c'est pour question de physical. It's not physical, si. Les autres qui font capable de ça, c'est parce que nous avons lu dans le chapitre 8 ça s'est passé. Et là, on dit dans le chapitre 8, bien aimé dans le Seigneur, on est tout avant-coureur là.
avant propos, ou bien background. It was a question to make a eulogy about some churches, which the Apostle Paul had a lot of esteem for their devotion, their dedication to the Lord. Talk about the church at Macedonia. A church, whenever it's a question of the glory of the Lord, to support the saints elsewhere who are less fortunate than them, the church has showed up. He used also the example of the church at Corinth. And that's what he's talking about, because he had some brothers from the church at Macedonia who were supposed to come at a specific time to the church at Corinth to pick up the collection, to pick up the fellowship offering. They were organizing in support of those who were less fortunate than them in some parts of the territory. Et ça qui a passé la bénédiction dans le Seigneur. Et donc, question, l'apôtre Paul qui a utilisé l'exemple, le témoignage de l'Église église pour capable motiver un pile l'autre église pour être capable de participer, bien-aimé, dans le Seigneur, dans le travail global de l'Évangile. Côté guérir des bien-aimés qui sont en souffrance, côté guérir des bien-aimés qui souffrent, lacunes au point de vue financière, qui ont moins de ressources. Ah ben, il était question, bien-aimé, dans le Seigneur, de voler au secours de ses bien-aimés. Afin que ce bien-aimé là capable de camper d'emblée, il y a même tout, pour qu'il puisse célébrer l'éternel bien-aimé dans le Seigneur. That centers things for our understanding, I hope, today. When you hear, when you read the word, Lord, oui, parole, sème, qui sème peu, moissonne peu, alors on va déjà comprendre. C'est pas comme si la joue, c'est mes plantes, c'est mes fruits, c'est mes graines dans la terre. Sont une parabole, si vous me permettez, c'est une métaphore. One key principle of why the whole thing works. Il y a un principe clé qui fait ce principe lui-même, les camper, les travailler bien. Entre parenthèses, qui aime tout bien aimé dans le Seigneur. Et dans un lui, comment, surtout aux États-Unis, pas pour notre pays, mais surtout aux États-Unis, que Dieu sauve, il y a un grand principe ça au sérieux. Alors, son parenthèse, on t'a fait. I don't know why. They say America is a blessed country. And I believe that. But I can tell you, into parentheses, after a number of years I lived in this country, I do realize, question chrétien américain, y'a pas joué. Lorsqu'il s'agit de battre, ça qui est pour bon Dieu. Lorsqu'il s'agit de faire des dons de la foi, quelquefois, ils ont même plus que ça la Bible m'a dit que ils ont. Et puis, ils sortent, ils regardent où est le machin de ma carrière. Où est la fleurie, la fleurie, la fleurie. Et puis, vous-même, vous ne pouvez pas dire tout ça, c'est ça. That was the parenthesis for the living of the Seigneur. One key principle why this whole thing works is this: givers will always have enough to give. Où est mon cœur, mes mains? Il y a toujours bien assez pour nous. Ça, c'est un principe clé. Je vais mettre marqué le samedi. Depuis c'est mon cœur, mes mains. Quand ça a commencé, mon cœur chiche, on va toujours jouer pour pas assez pour nous. I'm telling you, there are some chiche people in the church. Amen. Bien, pas dit ça pour, pas dit parce qu'on n'a pas qu'être comme ça. Il y a un bon pasteur chiche. Il y a un bon jack chiche, un bon petit carter jack, on est chiche. Alors, nous faisons parenthèse, amen. Quand on est dans le but de l'évangile, on est acheté une blague, pas besoin. Pas quand on est pour le café. Amen. Nous avons des bons amis qui sont pasteurs. Mon cher, les pensées avec ça, nous allons prendre des chiches. Malheureusement, ça n'a pas bien marché. I'm not saying c'est parce qu'un chiche qui fait ça mal marché. Ministère crasé. Anyway, the key principle is that givers
We always have enough to give. And I will tell you where I find that. It's right in the passage, Bible. I'm not making anything up. The Bible tells the story of a man called Zacchaeus. La Bible de cet homme appelé du nom de Zachée. Nous connaissons l'homme ça. L'homme de petite taille. Un homme selon le statut social, il a été représenté dans la communauté, qui s'amassait pas mal de ressources financières, beaucoup de fortune, ça allait très bien pour lui. Mais c'est un homme qui réalise au bon jour que, avec tout bien qu'il a gagné, terre, pécune, en pile l'argent, il réalisait que Vili, bien aimé dans le Seigneur, était marqué en gros bagarre. Parce que c'est une chose d'avoir des choses. Mais c'est une autre chose que d'avoir la paix avec son Dieu. C'est une autre chose de recevoir le salut dans son cœur, dans son âme. Alors cet homme-là, il était sorti dans un seul grand besoin. Pendant que Jésus-Christ a passé, il courait à la rencontre de notre Seigneur. Et là, il vient au pied du Seigneur, il mettait sa plainte. He put down his plea before the Lord. And in making his plea, he did not mind telling the Lord, Lord Jesus, na tout sa m'te gagne, je dis à vous besoin à faire la paix. Sa m'te gagne, moi d'accord, pour me séparer, pour me bailler moitié. Et pas 10%, ni 20%, ni 30%, non, mon frère. 50% of what I have. Et même si quelqu'un nous a fait mal, moi d'accord pour me réparer au nouveau tribu au quatri. Et Jésus-Christ réalise que une décision pareille, c'est pas une décision comme on t'a joué. Il y avait de la sincérité dans le cœur de ce monsieur. Et Jésus-Christ a fait pour cet homme ce que lui seul Jésus-Christ pouvait en faire. Il a accordé le salut. Alors, pas dire comme si vous avez acheté ça, les gars, non. Non. Action Zachéo, parlez de Zachéo. Action Zachéo, faire Jésus pour prendre ce monsieur-là est sérieux. Are you serious in the gospel? Jésus-Christ va mettre la bénédiction des bénédictions. Pas caché, nous bien-aimés. Ou t'a mettre toute qualité de bénédiction. Ce n'est pas que bénédiction des bénédictions, ou ma combat, mon frère. Tu parles salut de Dieu, la paix de Dieu dans un cœur, dans une âme, où vous manquez quelque chose, mon bien-aimé dans le Seigneur. Que quelque chose. While we as a church need money, we're not going to kill you. You know, I always lay it out just the way I know it is. Not only can the église keep up fonctionner sans l'argent. Supposons l'église, quel que soit catholique, pentecôtiste, baptiste, adventiste, qui capable de fonctionner sans l'argent, please give me a call. Amen. Just to use this space. Amen. You need what? Money. To turn, to flip that switch over there to get light so I can read that Bible, you need what? You need money. You need money. There's no doubt about it. But I hope to tell you why we need money. The priority of the church should not be to acquire money. The priority of the church should be about souls. Let me repeat that. Mais donc, nous besoin pour nous faire ministère au marché. Mais la priorité number one de chaque église du Nouveau Testament, c'est la question de souls, de motiver l'homme, rentrer dans le royaume de Dieu. Et là, il est rentré dans le royaume de Dieu. Take care of the soul. Nurture the souls so they can grow and grow again. I'm going to quickly read two texts, two passages of scripture for you. Mark 8:36, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Verse 37 says, for what shall a man give in exchange for his soul? A quoi ça sera un homme de gagner le monde entier s'il lui arriverait de perdre son âme? Et quel bénéfice aurait-il en échange de son âme? Revelation 3:15, oh thy works, thou art neither cold nor hot, I would thou were cold or hot,
16, so then because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spur thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich and increased with goods, and have need of nothing, and I wish not that thou art wretched and miserable, and poor and black and naked. Now, Apocalypse 4:10 says, I parlez de l'Église dans le Seigneur, let me see if I can quickly find that. Revelation 3:15. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni frêle, ni tiède, ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, c'est pas vrai que dire non. On dit d'être tout plein d'argent et pourtant, Jésus dit, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, et nu, et nu, et nu. Élu. Entre parenthèses, moi, je vais me faire une parenthèse. En nous, let's not get ourselves so caught up in what I call churchianity out there. Not Christianity. A system of church which is very consumed with how to prosper. I'm going to close this way, you see? Because that's not what I'm preaching today. I'm not attacking prosperity gospel. I'm not here to do that today. Maybe you're not. That's not what the Lord put in my heart. Mais vous devez faire attention. Lors de quelques zones que vous sentiez, son seul bagage cap beau et non son seul son cloche cap crochet, son seul cloche cap sonné, son question de l'argent, money. Ça veut dire pour moi, ne vous payez pas plus, ne vous payez pas bien l'argent, ne vous payez pas bien, grand. Faites attention. This is kick stuff. C'est pas parole de grand monde qui est dans l'évangile. C'est pas par monde qui est des années dans l'évangile. C'est pas parole pour faire dormir les petits enfants. Monde qui parle la Bible. Alors, son parenthèse, moi, t'as fait un campagne là. Seed sowing in the context of 2 Corinthians 9 deals with earthly resources. And simply put, yes, it deals with money. It deals with my money. It deals with your money. 2 Corinthians 9. Lord, lean what where la deal avec ressources financières. Let us not lose sight that the priority of priorities, by the way, for the church is again soul. No matter what you have, no matter how much you have, if you don't have salvation, my brother, c'est pas vrai qu'il dit, you are miserable. You are desolate, my friend. If you don't have salvation, connais comment Jésus-Christ comparé. Jésus-Christ comparé avec un lost sheep, un brebis qui perdu. Il comparé à un drachme, avec un bagage, un bijou qui est précieux, mais qui perdu. A lost drachme. Lost coin. This beautiful text of 2 Corinthians 9 reveals to us that the responsibility of the church according to the New Testament. Toujours après ça. Parce que toute qualité de l'église, mais l'église qui sort, c'est le Nouveau Testament. L'église qui accède au Nouveau Testament, mais bien évidemment dans le Seigneur. Eh bien, il fait nous comprendre la responsabilité de l'église selon le modèle de ce testament. Bien évidemment dans le Seigneur. Il passe seulement une responsabilité sur le plan local. Mais aussi les grandes responsabilités sur le plan global. Pas de temps pour m'expliquer ça, ça veut dire. Exemple, nous sommes ici, là-bas, nous sommes l'église, nous avons adresse. Adresse, nous c'est coin ça, Pembroke, à la présentoire. Mais pendant que nous avons fait l'évangile ici, nous ne pouvons pas arrêter seulement confiner nous sur ça que nous avons besoin ici. Sous besoin ministériel, nous voyons ici seulement, tandis que bien l'évangile qui a prêché un peu partout dans le monde. Tandis que bien missionnaire un peu partout dans le monde. Qui besoin de concours. L'église qui est capable d'épargner quelques sous, quelques dollars, pour capable de soutenir bien aimé, qui de loin, qui a carillonné le Saint-Évangile, bien aimé, et dans le Seigneur. Parce que c'est ça, nous, qui t'a voué dans le 2 Corinthiens, chapitre 9. Quand une fois l'église, pas qu'à seulement concentrer sur lui-même seul. Amen. Ça, c'est l'église du Nouveau Testament pour y être. Amen. Pas qu'à simplement venir tout le cimetière, toute la rue, quand il était là. Amen. Ça, c'est l'église du Nouveau Testament pour y être. Mais, regardez-nous, il faut bien sûr, il faut bien regarder
son travail, mon Dieu, un peu partout. Un peu partout. Amen. Donc, ce pasteur qui a fonctionné sur base du Nouveau Testament, il faut d'accord avec lui, moi-même, pas pour moi, c'est lui. Ça, qu'on a déjà fait, parce que non, c'est un seul, même les trois ou quatre téléphones call. Pasteur Haïti, qui va me dire check. Même si bon Dieu merci, parce que il est habitué, peut-être qu'il a dit dans la tête, hé, mon cher, même si c'est le plaisir, il n'a pas dit, moi, je vais checker pasteur. Amen. Amen, non, bien-aimé. Mon pasteur, dans un autre nom, deux semaines de cela. Amen. C'est pour elle voter là, oui. Deux semaines de cela. Il dit que, non, oui. Bon Dieu veut souffrir. Monsieur dit que 80 ans, l'aveugle, il n'a qu'à faire grand chose. Mais cependant, tellement bon Dieu travaille dans l'époque où il a mis un homme sauvé. Il a besoin de bailler un Thanksgiving. Pour ça, bon moi. Besoin de bailler qui ça? Un Thanksgiving. Il a besoin d'acheter cabrit, il a besoin d'acheter bagage pour faire. Amen, non, bien aimé. Il dit, parce que c'est vous-même, vous pouvez le nous faire ça. Et guess what? Il y a 5 week. Combien de mecs qui gagnent? Pas de définir, pas de détails là-dedans pour nous, nous ne pas compter qu'est-ce qu'on va parler. Mais qui ont raison, qui est très fort dans le cœur. Pour le bail de Dieu, action de grâce. Dans même, par contre, si c'est le jour avant ou le jour après, lui fait cadeau à l'église là, au 1000 dollars, et puis moi-même, ça fait mêler à 1000 dollars, parce que moi, les dames, nous avons dit aucun 1000 dollars, parce que nous mêlons bon, ici avec la pandémie, avec COVID-19. Par contre, techniquement, on est là, on n'a pas le faire. Action de grâce, tandis que pour ta fraction de grâce, on est là, on est tout, et puis il faut nous faire des réunions, mêler. C'est pas normal, non, c'est pas normal. Non, nous prenons mal pour voyer les démons, parce que c'est pas comme là, je vous dis, voyez faire action de grâce, non. Ou bien c'est Raphaël, non? Mais c'est pour elle voter. On a dit voté pour faire action de grâce dans l'église ici. Nous ne pouvons pas faire action de grâce. Tandis que dans l'église, même moi, c'est Raphaël, lui prend lui-même. Après, si vous-même, il y a plein de masques. Pas contre qui c'est, il y a plein. Mais il est prêt pour faire action de grâce. Pour ça, mon Dieu fait pour lui. Pour mes amis qui convertissent. Non, allez, ça. Pendant ces heures, nous n'avons pas des ressources financières pour lui faire. And I was so glad. The Lord put in my heart to do whatever I have. To do. I'm not trying to. Pas essayer de dire ça pour nous, essayer pour comprendre. Mais c'est pour comprendre un petit peu, juste un petit peu, ce qui se passe ici, dans 2 Corinthiens, chapitre 9. Un peu de monde qui a parlé de World Mission. Et il y a un peu de monde qui dit, moi-même, c'est où là, de tout. On a bien aimé aller, mais pas grave. On a tellement d'occupations pour ici, là. Des familles, I have a job, I have my ministry. But you know something? Pendant que moi, nous ne pouvons pas aller en Afrique, nous ne pouvons pas aller en Bangladesh, nous ne pouvons pas aller dans ces deux pays très difficiles, quand les missionnaires ont prêché la foi de l'Évangile, mais nous-mêmes, tous nous capables de voir influence. Nous. We can say, you know, we can strengthen what they're doing. Nous ne pouvons pas aller. Bon, allez, non, ça veut dire que nous voyons Bayo, ça permet que le travail à lui-même, il est capable de faire. Vous connaissez l'exemple de David, je ne vais pas mettre pour moi dans tout le schéma sérieux, mais David a un rêve dans le cœur. Ce rêve, c'était de construire le temple de l'Éternel. Ce rêve, c'était maintenant de bâtir un beau temple pour l'Éternel. Mais que veux-tu te faire avec quoi ça va te gagner? Mais l'Éternel lui dit, là, mon frère, je connais où il est sous cœur pour construire un bel temple pour moi-même. Non, pour le bagage, c'est pas où-même, non? Parce que tel genre, telle manière, moi, je n'ai pas une autre négative. Amen. Tel genre, telle manière, ce n'est pas vous-même, mais ce n'est pas petit. Mais d'abord, pas faire comme, pas faire colère, pas fâcher. Il va dire, ah, parce que ce n'est pas vous-même qui bâtir. Même que je puisse continuer pour moi-même, et puis peut-être m'a quitté. Non, David dit, dans tout ça, mais. David, bagaille pour chaque bagaille qui est nécessaire. Qui te doit faire, il n'y a pas de bagaille qui mince, parce que à la vérité, il te vient en pile bagaille. Il baille pour l'or, la Bible dit, il baille l'or pour ça, qui te doit. En or, il baille tel métal, pour ça, te doit dans tel métal, en sorte que, c'est Salomon parler, Salomon parle aucun rien, aucun tel chargé, tout ça, il te besoin pour construire ton plan. Il te va. I often say from this pulpit, assez souvent, moi, j'ai dit, oh, de cette chair,
ou pas capable bail bon Dieu plus que ça là. You cannot outgive God. Ça c'est un gros conseil bien de nous passer. Ou t'es même travail 10 000 dollars matin, t'es même travail 20 000 dollars en vérité ma vie, c'est un ça bon Dieu bail ou pas capable bon Dieu plus que ça là. Tes frères et sœurs dans le Seigneur, système mondain, les mêmes idiots, en plus pour moi-même. Parce que le système mondain n'avait pas compris, quand ils ont influencé par le royaume pâle, et then forget everything else. That's the world system. But the Christian system says, let's build the kingdom of God for him. À nous construire le royaume de Dieu, et puis pour lui-même et non pas pour nous-mêmes. Matthieu 6, 20. But lay up for yourself treasures. And nous surtout mettez des trésors dans le ciel. The treasures in heaven, where neither moth nor rust doth cover, and where thieves do not break through nor steal. À nous organiser bien-aimés des trésors dans le ciel. Hein? Là côté la rouille ou la teigne pas capable corrompre. Pour que la côté non plus bonheur pas capable de vivre. Verset 21 dit, where your treasure is, there also will be your heart. Là où est votre cœur, là aussi sera votre trésor. Les frères et sœurs, vous êtes bien-aimés dans le Seigneur, remember that. Doit bien un sacrifice sur l'autel là, avant que tu fasses capable de consommer. There must be a sacrifice on the altar before the fire falls to consume it. Yes, as much as there is a spiritual plan of salvation, there is also a spiritual plan of living, my beloved. De même qu'il y a un plan spirituel de salut, il y a aussi un plan spirituel de notre manière de vivre. En Actes des Apôtres, chapitre 2, 38, verset 38, nous lisons, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ça, c'est le plan spirituel de salut. Repent. And let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin. That is the spiritual plan of salvation. Now in Luke 6, 38, donnez et il vous sera donné, given, it will be given unto you. On versera dans votre sein une bonne mesure, serré, secoué et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. La même mesure, la même petite bagaille, la même meilleure bagaille, c'est avec la même mesure, ça a tout, de te la servir et la parler tout. Si même toujours fermé, si l'autre bagaille, l'autre bagaille, l'appétit, Paris va attendre comme si vous avez là l'éternel, la bénédiction, la servir avec un autre conteneur. C'est avec le même conteneur qu'on prend là. Avec le même conteneur qu'on va là. Guédez-toi, m'a dit qui est sur le monde, la famille, qui t'a doué, toujours gentil quand même comme parent. Les m'a prié, dit Seigneur, t'en prie. Pas béni, je vais vous bénir, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas comprendre ça, ma vie là. Amen. Amen, nous bénissons. Alors, pas en parabole. Amen. Vous connaissez, même approcher la gamme dans Facebook ou dans YouTube. Un café en pile et demi. Amen. Please, Lord, don't bless me the way they bless. Because I love them. I want God to bless them anyway. Amen. Parenthèse, papa, mes filles, papa, vous comptez là. Yes. Voilà comment voilà comment l'économie de Dieu fonctionne. C'est très important de bien comprendre cette vérité biblique si vous voulez expérimenter les largesses de Dieu. Moi-même, il y a quelque temps dans l'évangile, bien aimé dans le Seigneur, I'm one of the person who can tell you, yes, les bons diables bénissent les bagailles. Les bons diables bénissent les saisies. C'est venu maintenant ma foi, c'est oh, gardez. Bon Dieu, c'est la plage des bénédictions, c'est pas doux.
I'm not saying anything. I'm not. Moi, j'ai pas besoin de personne. Moi, ma vie, ma vie, moi, j'ai fait John et Paul. Ça va me dire, c'est moi, il y a personnel, ça, moi, mais moi, dans la vie, pam, ça, moi, dans la vie, l'autre frère, je suis dans le Seigneur, comment bon Dieu qu'on bénit. Amen, non, bien-aimé. Aujourd'hui, nous savons, quand pile aller dans l'évangile, quand pile aller aux États-Unis, quand pile amis, quand pile camarades, pile parents qui ont été aux États-Unis avec mon mari. Amen, non, bien-aimé. Amen, non, bien-aimé. Alors, ma bouche, ça, pour faut songer. Passons. Peut-être que nous devons avoir un double avion, mais dans le monde avec un malade. Moi, j'étais fait grâce, nous devons avec une et deux. Un malade, that's all I have. I don't know if I have maybe another 120 hours, maybe I don't know. I don't know. Parce que c'est une façon d'avoir tout l'Haïti, de go t'y comme tout t'y comme d'avoir un malade dans notre national. Bon, pas d'avoir tout l'Haïti, de m'attirer que ça t'y comme ça. Mais il n'y a pas qu'un pire. Alors, nous devons pas dire dans le bagage ici, mais. Amen, non, mais. Mais on s'en garde, autour de nous. Ou après, on dit que son bon Dieu qu'on l'est. Qu'on l'est. Amen, non, mais. Ah, bon Dieu qu'on l'est. Alléluia. Oh, mon Dieu, bien-aimé, mon Dieu, le Seigneur, mon bon Dieu. Chaque fois, nous gardons ce ça, nous disons, bon Dieu qu'on l'est. God can bless. God bless us. God bless us. God bless us. Before I end this sermon today, let me share with you quickly a few important principles one should be diligent at abiding by in the area of giving according to the New Testament. Ma bon quelques règlements, quelques principes que on capable d'utiliser dans la vie par la vie personnelle ou délivrée dans le Seigneur dans votre vie de la foi. Number one, he which sowed sparingly shall reap also sparingly. Ça, c'est pas moi qui dis. Moun qui baille peu, a recevoir peu. Moun qui se lève beaucoup, a recevoir beaucoup. Parce que par on l'a dit avec même mesure que vous mettez dans terre, c'est avec même mesure à tout. Et donc, non sens, mais quand il y a some extent, we have a margin of control in our hand. Non sens. Notre genre, bénédiction qui vient tomber sur nous, nous avons quelque chose à voir avec les bien-aimés dans le Seigneur. Parce que ce sont des de son bail de ces réformes la multiplier. Number two, keep your motive pure. Make sure que motivation, qu'elle est pure, mes bien-aimés dans le Seigneur. Qui ça me dit par là? Do not bargain with God. You're not supposed to do that. It's not a gift, bum ma bon, ma bon bon. Amen? Faut dire ça sous à la. Dans l'évangile, c'est pas stock market. Et par contre, si vous avez un jour qui a fait comprendre, ou vous mettez le droit de non return. That's not what it is. The Lord already blessed you already. The purpose you give should always be to reach the lost, to build God's kingdom here on earth. Let me buy, ça m'en buy là, bien aimé. Mais je connais ça m'en buy là, son bagage qui parle et des grands royaumes, mon Dieu. Ça m'en buy là, il parle des noms. Ça pour l'homme capable de plus fort. Un homme capable de passer les ténèbres dans la lumière de l'évangile. Alors, regardez le monde naturel. I have a good cousin of mine. I hope he's not watching the face today. He was bragging, he was so happy. Then parlait there dans la coula caillou. Il n'y a pas de pied. C'est pas même demi-toi, non plusieurs pieds cachement. Et puis l'a dit, l'a fait jolé, vous comprenez? L'a dit, ça c'est deuxième récolte là pour aller là. Ça veut dire que moi-même qui parlais on pied, un rien, dans la coum. C'est comme si nous avons senti bien ça avec la balle là, parce que moi je ne pas de récolte. Mais bon Dieu, bon bénédiction, pas de façon balle. Amen, bien aimé. Now, qui ça me dit pas là? Qui ça m'a réfléchi là? Au fond, qui j'en ai, je donne ça. Gain paquet, bagaille, ça. On a déjà des pieds cachés, mais jamais. Mais son grain, excusez-moi, si vous voulez le mot. Non, son seul caché, il mettait dans terre. Pour une balle, grand caché. Lui a demandé de lui remplir les avocats toute la journée, il a passé par les avocats après service. Sont grands les avocats. Sont seuls les avocats. Il te met dans le terre, oui. Do you follow me?
ça. C'est pour utiliser le monde naturel, mon Dieu, mon Seigneur. Il n'y a pas moyen de dire non. C'est la parole là qui a expliqué qu'on s'allait dans son semence. En tant que temps, mon ami, mais nous contribuer. Il nous aime, non. Ou pas connaître l'éternité bienheureuse, ou pas saisir la grande de l'éternité des armées, ou à nous mettre en ligne là, pour lui garder nos mes fruits. Sans tes connaissances, nos mes fruits. Ou même moi, parlement de tête, qu'est-ce qu'il y a qui déjà me fait bagaille? Qui est-ce qu'il y a qui déjà me fait bagaille? Qui est-ce qu'il y a qui déjà me fait bagaille? Qui est-ce qu'il y a qui déjà me fait ou te comprends son c'est comme l'autre débat, ou te comprends son c'est comme l'autre débat. Tandis que son débat là, te contribuer. Les vies, c'est mettre la connaître. Amen, non, bien-aimé. C'est mettre la connaître. Non, ça a sauvé tel endroit. Non, ça a sauvé mon endroit. Non, ça a pas perdu, mais qui sauvé. Non, ça a pas je t'ai dit parce qu'elle t'a découragé. Gros évangile qui peut jeter quelque part. Mais ou même, ou t'es life long. The lifeblood of that minister, that pastor, wherever that pastor was preaching. Et l'éternel va nous faire donner ça. Il va nous dire, mais. L'autre principe pour le bien-aimé dans le Seigneur, every man according to has his purpose in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, but God love a cheerful giver. Toujours dit sous chez ça, on ne pas voir personne à faire bille pour lui. On ne trop riche pour voir à faire bille pour lui. Le prédicateur est capable de prêter dans les carrés. On ne sait pas qu'on a rien à faire, mon Dieu. Je vous dis riche ça pour voir mon âme prêter pour lui. Non! Il nous salve à où? Nos bénédictions là, des fous, il nous salve à gagner par chiffre, par un bras, par du toit. Amen, mon bien-aimé. Guérons-nous. C'est pas vraiment parler, parce qu'on connaît nous toutes ici là, donc ça nous fait un bel. Avec nous, nous ne pouvons pas la veine, tout va nous bon. Mais qui est là, mon Dieu, là, qui est là, qui est là, nous, là, qui est là, nous t'appuyons pour bénédiction. Les bénédictions à côté, nous gardons nous d'une fois rose. Nous toi-même, fouille ça toi-même. Pour dire non, c'est pas digne, nous ne pouvons pas faire. Ah non! Don't do that. You're killing with yourself. Parce que chaque combat, c'est position de position de Dieu. Amen, mon bien-aimé. Et toujours dis-nous ça. Ou même qui pensez que bénédiction sont question de l'argent, l'argent. Quel est-ce qui veut plus que l'argent, frère? Amen. Alléluia. Quel bagage ou gagne que bon Dieu va ou gagne qui gagne l'argent comme il t'a tué la volée, il t'a volé l'argent là pour mal pour là. Amen. Amen, mon bien-aimé. Amen. As you sow out, God will sow into you. But no one buys it because I even put it in the map. Ou d'un côté, je vais te dire, non, laissez après Marie. Non, dépoincez, non, dépoincez les flowers. Laissez les flowers. C'est sur laissez ça me tirer. Nous, après, il est là. Oh, ma parole est bonne, je parle de mes salades. Nous finissons, est-ce que nous comptons? Mes amis, faites la même chose, nous ne pouvons pas dire méchant parce que c'est pas mal. Ça me semble que vous me disiez, je finis ma femme. Amen, mes amis. Oui, verset 10 là, 2 Corinthiens 9, verset 10. Il est celui avec ce majuscule, mais c'est pas parce que c'est commencement de phrase là. Donc, ce celui-là, c'est lui-même qui met le ciel là, et à lui-même qui met le ciel là pour mourir. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Now, be that ministered seed to the sower, both minister bread for your food and multiply your seed, sow and increase the fruits of your righteousness. C'est là, collecter témoignages, nous-mêmes qui là, ou bien quel que soit le monde qui nous a assemblé, virtuel là, capable de sous live là, ou bien dans le téléphone là. C'est là, demandez-nous pour nous témoigner, pour nous témoigner dans ce ça. Nous-mêmes qui fait expérience de bénédiction, mon Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Probablement, nous tapons là pour tout le reste après-midi.
Nous avons tombé à parler bénédiction qui dérivait directement dans l'esprit généreux, dans le cœur généreux, assurément, tu as bien appris le témoignage. Encore une fois, mes bénévoles, m'a rappelé nous ça. Please, you are not supposed to give for a return type of mentality. But trust me, God does honor those who cares for what he cares. Amen. Pendant que je ne suis pas avec un esprit pour retourner, mais il faut me dire que de notre côté, bon Dieu honore le monde. Monde. He cares pour ça qu'il care. God blesses those who give to support his kingdom. God does bless those who give in order that the gospel will reach even greater territory so that more and more souls will be saved. C'est giving, my friend. Donner selon le modèle de la semence. Alléluia. Les rois bâle selon le modèle de la semence. Ou bâle à cœur ouvert. Les rois mété. Alléluia. Semence spirituelle de bien-aimé dans le Seigneur, ou pas checker, ou pas garder, ou contrôler, mais non, ou contribuer avec cœur ouvert, avec cœur ouvert. Let us go out of this auditorium with this in mind. My giving plus some of you's giving equal greater kingdom impact. Les moi-même, vous me baillez pour la gloire de Dieu. Vous-même, vous baillez. Et puis tout le monde rassemble nos bailles. Ça fait beaucoup plus d'impact pour le royaume de Dieu. Your giving plus the person next to you's giving equal more souls for heaven. More souls being strengthened, being fortified for his glory.